Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de Dortmund, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Quel soulagement les gars, quel soulagement après 3 ans de souffrance. Qu'est-ce que ça fait du bien. On est en quart de finale les gars, qu'est-ce que ça fait du bien. Il fallait qu'un jour la roue tourne, que le vent tourne. Les gars, ce soir, ils m'ont sorti un match de bonhomme, les joueurs. Mais avant toute chose, nous, on est en quart. Et tu vois, Dortmund, hein, les joueurs de Dortmund, les dirigeants de Dortmund qui ont fait les malins après le match aller, sans se rappeler qu'il y avait un match retour. Eh ouais, les gars. Hein, nous, on est en quart. Et eux, ils sont en 4 quarts. Ils sont en 4 quarts, gros. Et en plus, c'est jaune. C'est jaune, comme leur maillot. Hein, jaune pisse, voilà, ils se sont pissés dessus. On a eu des guerriers, gros, des guerriers ce soir sur le terrain. Hein, et c'est mon premier point de la rencontre, les gars. Pendant que l'Europe est dessinée par le coronavirus, nous, on a été le coronès virus. Nos joueurs, ils ont eu une paire de baloches comme ça ce soir. C'est ça que j'attends, bordel. Là, ils ont joué comme une vraie équipe de 8e de finale de Ligue des Champions. Enfin, les gars, ils ont fait honneur à ce maillot, à ce blason. Enfin, ils ont redoré le blason. Ils nous le devaient, de toute façon, après les 3 ans d'humiliation. Là, au moins, t'as vu, ils ont pas trop parlé, ils ont attendu. Ils ont été, voilà, et là... Boum, le match parfait. Le match parfait, les gars, je suis désolé. Alors, on a galéré les 20 dernières minutes, mais jamais, à aucun moment, j'ai senti que nous étions en danger. Navas a quasiment rien eu à faire. On les a bloqués, on les a pris à la gorge. On a été... Mais même au milieu de terrain, tu vois, c'est... Enfin, bref, c'est moi, ce soir, là, ils m'ont fait plaisir. Quel soulagement. Profitez, les gars, profitez. On en a assez chié. On en a assez chié, profitez les gars. Hein, deuxième point de la rencontre, c'est la composition de Tuchel. Parce que Tuchel, je lui ai beaucoup tapé dessus. À l'aller où ils avaient sorti un bousitron comme compo. Mais là, les gars, Tuchel, sa compo, magnifique. Rien à dire. Hein, il a remis le 4-4-2, il a mis les joueurs au bon poste. Il a été parfait, super. Quand j'avais vu la compo dans l'équipe là, qu'ils avaient donnée avec Silva, qui avait 20 jours sans jouer, qu'allait jouer. Quand j'ai vu Kurzawa à gauche, quand j'ai vu Marquinhos en milieu de terrain, j'ai dit, c'est pas possible. Mais non, non, il a fait une super compo, les gars. Paredes, vous avez vu ce qu'il apporte au milieu de terrain. Depuis le temps que je vous le dis, Paredes, il apporte Grinta, Corones, il casse des lignes, balle au pied. Il a des passes magnifiques, il oriente le jeu. C'est un hargneux sur le terrain, il met les coups qu'il faut, il a le vice, il a tout ce qu'il faut. Magnifique, Paredes. Cavani, tout le monde disait, ouais, moi le premier, je disais, Icardi, lui, il a une action, il va te la mettre au fond. Mais... On a beaucoup, les gens reprochent beaucoup de choses à Cavani, il n'est pas assez technique, il n'est pas assez décisif en 8e, il ne marque pas assez. Mais vous avez vu l'activité qu'il a sur le terrain, ça a été d'une importance capitale. Cavani, il lâche pas le steak, les gars, c'est ça. Hein, Kehrer, tout le monde disait Kehrer, Kehrer, mais Kehrer, les gars, à droite, je vous l'avais dit, c'est un ancien de Schalke. Quand j'avais fait ma composition pour PSG Dortmund, je vous l'avais dit, il faut le mettre. Kehrer à droite, les gars, il nous a sorti un très bon match. Kehrer... C'est un ancien de Schalke qui ne peut pas priver Dortmund. Et là, ce soir, hein, il y a un an en arrière, on le pourrissait parce que contre Manchester, il a fait une passe de merde à Lukaku. Hein, il a fait une mauvaise passe, il avait fait un match de merde. Mais là, ça y est, Kehrer, il a sorti un gros match. Il a posé ses coronets aussi. Mais toute l'équipe, ce soir, il n'y a aucun flop. Toute l'équipe était au taquet. Ça a joué en groupe, ça a joué en équipe. Chacun s'est battu. Hein, même Neymar, il a fait du repli défensif, il s'est battu. Ça a été mais vraiment magnifique. Hein, et mon troisième point de la rencontre, c'est que nos joueurs, les gars, sans le public, ils ont fait le match qu'on attendait depuis 3 ans. Sans le public, nos joueurs sont pas normaux, les gars. Nos joueurs, c'est des OMG, parce que des footballeurs normalement constitués et qui sont normaux, tu vois, quand le public les pousse, ils se transcendent. Nous, c'est l'inverse. Il faut qu'il n'y ait personne dans le stade pour qu'ils se transcendent. Alors le coronavirus, t'es bien gentil, tu vas t'asseoir tranquille. Tu vas glisser sur le site d'Ali, tranquille, tu vois, tu vas t'asseoir sur le site d'Ali, tu prends un petit bret de thé, hein, et tu prends le gâteau, tranquille, tu restes, tu bouges pas, tu restes là. Comme ça, jusqu'à la fin de saison, hein, on va avoir du huis clos en Ligue des Champions. Comme ça, nos joueurs, ils vont être bien, tu vois. C'est magnifique, les gars, franchement, ils m'ont fait plaisir. Hey, je suis tellement excité que je peux même pas faire une analyse, tu vois, je suis trop foufou, là. Là, je suis trop excité. Ça a été parfait du début à la fin. Même Gay, on lui a tiré dessus. Moi aussi, je disais, c'est un marathonien. Il court dans tous les sens. Il rattrape pas de ballon. Niveau du jeu, il apporte rien. Il court, mais c'est dans le vide. Mais là, il a fait un match propre. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Hein, même Kiki, quand il est rentré, bon, ça faisait 2 jours. Il avait la chiasse, Kiki, pendant 2 jours. Il revient. C'est vrai qu'on voyait qu'il n'était pas encore au top, mais
je l'ai vu faire des replis défensifs. Il a récupéré 2-3 ballons intéressants. Ça a été parfait de A à Z. Neymar, les gars, voilà. J'avais fait une vidéo avant où je disais c'est le moment de nous montrer qu'il faut prendre vos responsabilités. Voilà, Neymar, c'est pour ça que tu as été recruté. C'est pas pour faire le joli contre un, c'est tout. C'est là, c'est dans ce moment-là. C'est pour ça que tu as été recruté. Nous faire franchir un cap en Ligue des Champions. Et là, Neymar, enfin, tu nous montres ton vrai visage. Enfin, tu me fais plaisir, Ney. Tu vois, Ney, là, on a envie de te dire qu'on t'aime. Là, on a envie de te dire que c'est comme ça qu'on veut te voir. Hein. Alors oui, il a perdu 2-3 ballons. Oui, il a fait des fois des mauvaises passes. Mais c'est son jeu, tu vois, il tente beaucoup. Neymar, ce soir, un but. Et c'est lui qui décale sur le côté. Il dribble, il décale sur le côté pour le deuxième but. Voilà. Et Sarabia. Sarabia, tout le monde disait, ouais, mais qu'est-ce qu'il fout là dans la compo, hein? Mais Sarabia, les gars, au niveau de son investissement sur le terrain, au niveau de tout, Sarabia, il est trop important. Hein, et il marque encore ce soir. À chaque fois, il est décisif. Alors, je sais pas trop si le but est attribué à Bernat ou à Sarabia, mais il est encore là. Voilà, les gars. Franchement, vous m'avez fait plaisir. Continuez comme ça. Là, vous voyez, je suis fier. Je suis fier, les gars. Je suis fier de vous. Ça fait 3 ans, bordel. 3 ans. 3 ans, vous nous avez sali. Et là, les gars, vous nous avez montré. Là, les gars, vous vous êtes rattrapés. Vous me faites plaisir. En plus, les ultras, ce que vous avez fait, les gars, c'est magnifique. Hein, les ultras, ce que vous avez fait, franchement, chapeau. Hein, quand j'entends certains footix à la con qui viennent te dire, hein, notamment certains Marseillais, qui nous font croire qu'il y a de la ferveur qu'à Marseille et que chez nous, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de ferveur. Regarde, regarde ce qui se passe. Regarde ce qu'ils ont fait, les ultras, devant le stade. Hein, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez la communion qu'il y a après avec les joueurs. C'est des hypocrites, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de ferveur. Vous avez été... Voilà, vous nous avez fait plaisir, les gars. Franchement, je suis très, très ému ce soir parce qu'on en a chié. On en a chié pendant 3 ans. Moi, j'étais le premier pessimiste. Et encore ce matin, j'ai fait des stories sur Snap. Alors, pour ceux qui veulent m'ajouter sur Snap, Parisien88DBRF, les gars. Hein, oubliez pas. En plus, vous allez vous régaler mes vidéos pendant le match. Les gars, Parisien88DBRF, mon Snap. Parisien88DBRF. Hein, les gars. Voilà, on en a tellement chié pendant 3 ans. Savourez les gars, je suis ému, savourez, tu vois. Et j'ai une petite pensée pour certains supporters de Marseille. Alors encore une fois, je dis certains, hein, moi ce soir j'ai regardé le match avec 6 potes d'enfance, dont 2 qui sont pour l'OM. Et c'est des crèmes et je les kiffe et je les aime, tu vois. Mais il y a certains supporters marseillais qui ont fait des vidéos, des publications, hein, le PSG, hein, des vidéos avec des maillots de Dortmund, vous êtes des grosses merdes, machin, machin. Et ben maintenant... Hein, il y avait un match retour, les gars. Voilà. En tout cas, les joueurs, j'espère au moins que ce match, tu vois, il y avait cette putain de barrière psychologique à péter en 8e de finale. Et vous l'avez fait, les gars. Vous l'avez fait. Maintenant, ça se trouve, ça va complètement vous débloquer. Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer avec le coronavirus au niveau de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y aura une suspension d'un mois? Est-ce que ça va être décalé? J'en sais rien. J'en sais rien, les gars. Et Marquinhos. Marquinhos, les gars, franchement, ce mec... Vous voyez, je tape beaucoup sur Thiago Silva, mais vous voyez, gros, vous voyez, les gars, Kimpembe Marquinhos, masterclass. J'ai vu à peu près le même Marquinhos et Kimpembe que 4-0 face au Barça. Les mecs, ils reculent pas, les mecs sont sereins, les mecs posent leur coronesse, Kimpembe, il t'apporte de la percussion balle au pied, il casse les lignes balle au pied, match de bonhomme. Marquinhos, pareil, vous avez vu, là, gros capitaine, grosse coronesse. Serein, il était là de début à la fin, il encourageait ses coéquipiers, il n'avait pas une tête de décomposé comme peut le faire des fois Silva. Voilà les gars, franchement, moi il fait kiffer. Voilà, pas de flop, rien les gars, le top, vous êtes tous au top, tous au top. Franchement les gars, merci, un grand merci, moi il fait kiffer, un grand merci. Maintenant on attend l'écart avec impatience, on va voir qui c'est contre qui va tomber, mais franchement déjà c'est un kiff, c'est un soulagement de ouf. Les amis, je vais pas continuer, je vais me répéter parce que là je suis un peu foufou. On va essayer peut-être demain, pourquoi pas, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus posée, avec peut-être un peu plus d'analyse, je ne sais pas. En tout cas, les gars, profitez. Moi, je vais me lever à 4h du matin pour aller bosser. Je vais avoir la gueule dans le cul, mais je m'en fous. On a gagné, on est qualifié. Je m'en fous, même si je dors pas, je m'en fous. D'accord? Prenez soin de vous, les amis. Profitez. Profitez, les gars, et profitez. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, Paris. Et merci, les gars. Merci, merci les joueurs, merci tout. Merci les ultras, merci, merci, merci.